Bonsoir à tous, chers amis. Merci d'être sur l'émission Pouch Live. On est le jeudi 30 novembre. Merci à tous. Vous avez été très nombreux mardi dernier, notamment pour notre alerte générale avec Alexis Poulain et Rémi Juste-Milieu. Merci. Vous étiez plus de 4000 en ligne. Merci beaucoup. Hier soir aussi, belle audience avec Claude Janvier. D'ailleurs, on va faire le passerelle avec mon invité de ce soir, avec Claude Janvier. C'était extrêmement intéressant aussi. On a beaucoup parlé. Vous verrez, je vous invite d'ailleurs à aller voir l'interview qui est sur la chaîne YouTube pour si vous nous regardez sur YouTube. Et ce soir, je reçois avec beaucoup de plaisir Jean-Loup Isambert. Jean-Loup, comment tu vas ? Ça va, je te remercie, Nicolas. Merci de ton invitation. Bon. Non, ça a toujours vivant, tu vois. Je résiste. Ouais, on en parlait en antenne tous les deux, effectivement. Bon, on est encore là pour vous informer, chers amis, nous, en tant que médias indépendants, Jean-Loup, en tant que journaliste d'enquête indépendant, hein. Et tu viens, tu as beaucoup écrit, il y a beaucoup de choses, tu as une grosse bibliographie, on peut en citer quelques-uns que je retrouve, ma petite fiche qui a été faite, tu as écrit notamment Le virus et le président avec Claude Janvier, c'était en 2020, Le scandale Ivermectine, c'est chez IS Édition, Le scandale Ivermectine, Covid-19, le bilan en 40 questions, tous vaccinés, tous en danger également, qui vient de sortir en 2023. Oui. Donc, allez lire les livres de Jean-Loup Isambert, bien entendu, parce que c'est vraiment passionnant d'avoir encore des journalistes comme ça qui font un boulot d'enquête, d'investigation, même si nous sommes traités de tout le nom, vous le savez. Mais notre boulot, c'est bien de faire ça. Et ce soir, tu viens notamment pour ce livre extrêmement et vraiment passionnant. Tu viens pour ça, Jean-Loup Isambert, Les Destructeurs, US Imperium, La Fin, Un Nouveau Monde émerge. On va parler de ça ce soir ensemble. Et c'est sorti, par contre, chez Jean-Cyril Godefroy. Et d'ailleurs, on reçoit de plus en plus d'auteurs de chez Jean-Cyril Godefroy. Et c'est toujours avec un immense plaisir, parce que ces maisons d'édition, il en reste quelques-unes qui font un travail formidable d'enquête et d'information. Et ce soir, si vous êtes là, c'est toujours pareil, pour avoir des voix que vous n'entendrez pas. D'ailleurs, t'es pas passé ni sur BFM, ni sur CNews, ni sur LCI, ni sur France Inter, ni sur France Culture. On t'a pas encore vu là-bas. Non, pas encore, non. Mais je pense qu'ils doivent être en train de préparer l'émission. Oui, oui, ils vont t'appeler. Reste à côté de ton portable, ils risquent de t'envoyer un petit message. Hein, tu vas voir. Mais ce que je peux te dire, par contre, c'est qu'ils vont tous recevoir, il y a plus de 2000 journalistes qui vont recevoir un dossier presse présentant le livre. Oui, ben, on verra donc qu'il y aura le courage. Alors, de t'inviter. Ça va être intéressant de voir les suites. On verra bien. En tout cas, nous, on te reçoit ce soir et je suis très content de t'avoir. Bien entendu, on va parler de ça, c'est les destructeurs. On veut savoir qui sont les destructeurs, comment ça se passe. Donc, j'aimerais qu'on fasse ça en deux temps, bien entendu, qu'on comprenne un peu qui sont les USA, l'empire de la mort. J'aimerais que tu nous en parles, bien entendu, la dette des USA. Je lis ton bouquin, je me dis, j'ai relu deux fois la dette des USA. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a eu un zéro en trop, ou deux zéros en trop. Non. Et tu vas nous expliquer que ce pays qui est en faillite, tu le dis, ce pays est en faillite, continue finalement à avoir une dette colossale qui ne pourra jamais rembourser cette fameuse dette, mais qui part en guerre contre tout le monde pour imposer finalement, on verra qui est derrière les finances, les puissances financières qui sont derrière, puisque le pouvoir n'est pas chez Joe Biden d'ailleurs, mais chez d'autres. Donc voilà ce là-dessus. Et aussi, j'aimerais qu'on parle d'un pays liberticide, des surveillances de masse généralisées, puisque nous avons toujours dit que les États-Unis c'était le pays de la liberté. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la statue à New York, qui a été d'ailleurs offerte par les Français, il ne faut jamais l'oublier. Voilà, donc on commence là-dessus, et après on parlera de Macron, hein, et on parlera comment les élites françaises depuis 73 avec Giscard ont fait rentrer les atlantistes au sein de notre pays, et où on en est aujourd'hui. Allez, on commence là-dessus, les USA, empire de la mer, de la mort, Jean-Loup, comment ça se passe, pourquoi cet empire de la mort? C'est des millions de gens qui ont été tués, hein, 10 millions entre 80 et 2023. Hein. Oui, alors j'appelle les États-Unis l'empire de la mort pour deux raisons. D'abord parce que c'est l'empire de la mort pour les citoyens des États-Unis et c'est l'empire de la mort pour les peuples du monde également. Pour les citoyens des États-Unis, je rappelle que je brosse le portrait dans le livre. D'abord, c'est un pays qui est surendetté, dont oui, l'économie devient de plus en plus fictive, puisque l'essentiel des mouvements financiers concernant l'économie des États-Unis se réalise maintenant avec des places offshore, c'est-à-dire échappant à toute réglementation bancaire internationale. Quand j'ai écrit le livre, l'endettement total des États-Unis était de 100 000 milliards de dollars. C'était au mois de juillet 2023, et je crois qu'aujourd'hui, la dette totale doit être un peu plus de 103 000 milliards de dollars. C'est-à-dire que cette dette continue, c'est une sorte de fuite en avant,
puisque les grandes puissances financières qui tiennent le système cherchent à s'accaparer, évidemment, à s'enrichir toujours plus, au détriment, bien évidemment, des populations, que ce soit les travailleurs des États-Unis ou que ce soit ceux à travers le monde dont les territoires disposent de richesses. Et il faut savoir quand même que ce pays qui est souvent présenté comme un miroir de la modernité, on a aujourd'hui aux États-Unis 65 millions de personnes, c'est-à-dire quand même 20% de la population, qui a un revenu inférieur au seuil de pauvreté. On a 40 millions de citoyens des États-Unis qui ne vivent, qui ne survivent plus qu'avec des bons de rationnement alimentaire, des bons alimentaires. On a également sur le plan des libertés, puisqu'il paraît que les États-Unis sont un domaine, sont un pays où tout le monde est libre, où on peut faire ce qu'on veut. Il y a quand même un adulte sur 100 qui est en prison. C'est le pays où il y a le plus d'adultes qui sont endettés. Alors, il faut savoir pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens emprisonnés aux États-Unis ? Parce que tout est payant. C'est-à-dire que quelqu'un qui est arrêté pour un délit, même s'il n'est pas coupable, en attendant de passer en justice, il doit payer une caution. Alors, il est évident que ceux qui ont des bas salaires ne peuvent pas payer les cautions. C'est souvent plusieurs centaines, plusieurs milliers de dollars, plusieurs fois les salaires qu'ils peuvent avoir. Donc, ils sont emprisonnés en attendant d'être jugés. Et il y a des spécialistes du recouvrement des cautions qui réalisent, je donne quelques exemples, je crois que c'est sur Boston, mais qui réalisent des millions de dollars de chiffre d'affaires. Alors, tu as tout ce qui concerne, au-delà des États-Unis, bon, il y a évidemment, c'est le premier pays occidental pour la criminalité organisée, qu'il s'agisse du trafic de drogue, qu'il s'agisse, on en voit, ça apparaît, ça ressurgit presque régulièrement dans l'actualité, des enfants ou des adultes qui se mettent à tirer sur la population, sur des maîtres d'école, sur des, avec des dizaines de morts parfois. Hein, ça donne une idée pour reproduire des jeux vidéo, parce que ils veulent faire comme dans le dernier film qu'ils ont vu. Ouais. C'est donc sur le plan culturel un appauvrissement terrible. Ce qui fait la richesse des États-Unis, c'est l'immigration. Ce sont toutes ces populations qui sont venues depuis. Alors, il y a eu d'abord l'esclavagisme jusque dans les années 1700, et ça a continué bien après, du reste, même si l'esclavage a été aboli dans les années 1780. Il faut savoir que Wall Street a été fondée avec a été au départ, ce sont les propriétaires et les trafiquants et les d'esclaves qui importaient de la main-d'œuvre pour les champs de coton, pour les cultures, qui se sont enrichis considérablement. Et c'est là que Wall Street trouve son origine. Et du reste, l'actuelle présidente de la Commission européenne doit en savoir quelque chose, puisque elle a un de ses ancêtres, donc qui à l'époque, dans les années 1760, était l'un des plus grands propriétaires et marchands d'esclaves des États-Unis. Il s'appelle Hanson. Et alors, après, l'autre aspect, les États-Unis, empire de la mort, parce que partout pour s'approprier ses richesses, les grandes sociétés transnationales, je donne l'exemple de Haïti. Je trouve que c'est un article, cette enquête a été formidable, qui a été publiée dans le New York Times, par des journalistes qui ont enquêté sur la manière dont en 1914 ou 1916, des militaires d'Haïti, des militaires états-uniens, pardon, ont été envoyés à Haïti pour s'accaparer 500 tonnes d'or qui se trouvaient dans la banque d'Haïti. Ils sont venus avec des militaires, ils sont repartis, ils ont chargé ça à l'intérieur d'un bateau et ça a été empesé après dans le coffre-fort d'une grande banque centrale à Wall Street. Mais ça donne une idée déjà du mental. Et je n'ai pas encore écrit là-dessus, mais j'essaie de le faire transparaître au travers de mon enquête, c'est que ces milieux impérialistes qui sont dominants pour le moment dans le cadre de la politique des États-Unis, tu as affaire à des gens pour qui le monde ne peut exister que sous la loi des États-Unis. Le monde ne peut exister. Et du reste, je rapporte les propos de Ralph Peters en 1997, qui est un lieutenant-colonel de l'armée des États-Unis,
qui est lié au milieu impérialiste de Washington et qui dit carrément, pour arriver à maintenir les économies ouvertes et pour prendre les richesses des pays et les influencer par notre culture, par notre guerre culturelle, nous sommes amenés à commettre un bon paquet de massacres. Ouais. Voilà, alors ça donne déjà une idée du mental de ces gens-là. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont des gens qui sont prêts à tout. Et la grande finance, c'est surtout c'est Rockefeller, c'est toutes ces grandes banques. Ça commence tout ça. Alors évidemment, on parle des années 90 parce que pour moi, 90, c'est ce qui marque l'entrée dans... Je pense que nous sommes là maintenant. Pourquoi je dis que nous sommes dans la Troisième Guerre mondiale? Parce que cette guerre... On la vit depuis les années 1990. Elle n'apparaît pas comme une guerre par le fait que Paris n'est pas occupé ou bombardé, ou du moins qu'il n'est pas occupé avec des soldats US, encore que ça commence à venir, puisque l'OTAN va ouvrir à Toulouse une première base prochainement. Donc, tout ça est en train de se mettre en place. Mais si tu veux, tu as là-dedans tout un processus qui fait que dès les années... on voit bien comment la grande finance agit sur le pouvoir des États-Unis, sur le pouvoir politique. D'abord, elle choisit des hommes qui vont défendre leurs intérêts. C'est ce qui s'est passé, on en parlera, je pense, tout à l'heure en France avec Emmanuel Macron. Oui, on en parlait, oui. Voilà. Quand tu vois les hommes qui ont bordé son parcours pour le faire rentrer à la Rothschild et de la Rothschild le faire passer au pôle économique et financier comme conseiller du président Hollande, tu n'as aucune illusion sur... Je doute bien que ce n'est pas lui qui va procéder à la nationalisation du secteur bancaire et financier ou des entreprises du CAC 40 pour remettre les richesses produites par les entreprises au développement de ces entreprises et de la région. Donc, si tu as déjà, après la deuxième étape, ça a été la révolution russe de 1917. Pourquoi ? Parce que quand les communistes sont arrivés au pouvoir, donc 1917-1920, ils ont nationalisé les entreprises qu'avaient les Occidentaux, principalement les Anglo-Saxons, dans la Russie tsariste. La grande bourgeoisie tsariste avait traité avec, alors il faut voir, hein, il y avait les gens, le grand-père Bush, Prescott Bush, il y avait des représentants de toutes les grandes banques, la Barings, des représentants des sociétés pétrolières, mais qui étaient en Russie, non pas pour... pour faire des coopérations que l'on dit mutuellement avantageuses, mais pour piller les richesses de la Russie, pour piller son or, pour piller son pétrole, pour piller son bois, pour piller les richesses du sous-sol, l'agriculture. Et ça, ils n'ont pas accepté. Mmh. Et depuis cette époque-là, l'un des objectifs de la grande finance capitaliste, c'est de renverser le pouvoir à Moscou pour retrouver et s'emparer des richesses. Parce que c'est pour ça que je parle de cette Europe réelle qui va du détroit de Bering à la mer d'Irlande, parce que tu as la Russie, c'est quand même 17 millions de kilomètres carrés avec une population d'environ 150 millions d'habitants. Et c'est surtout une multitude de cultures. Je veux dire, quand tu vas en Russie, c'est formidable. Je veux dire, tu as des musulmans qui vivent dans certaines républiques où c'est la religion. Je veux dire, tu n'as aucun problème d'entente entre les musulmans, non-musulmans. Alors évidemment, les services états-uniens essayent d'attiser, comme ils l'ont fait en Tchétchénie, la religion. Et ils essayent de la stigmatiser pour essayer de faire des confrontations, pour diviser les gens, comme ils le font en Europe, comme ils le font en Europe aujourd'hui avec l'Ukraine, comme ils l'ont fait hier avec la guerre contre la République fédérative de Yougoslavie. Donc, c'est les puissances financières qui sont derrière, si tu veux. Ce sont elles qui, après, tu vas retrouver les mêmes en 1940, tu vas retrouver pratiquement les mêmes grandes firmes que celles qui vont aider Hitler à aller au pouvoir, parce que l'objectif, et ça a été, c'est des choses qui ont été négociées entre des représentants des grandes banques allemandes et les représentants des grandes banques des États-Unis qui a été négocié aux États-Unis, où ils ont dit que le candidat qui convenait le mieux aux visées qu'avait la grande finance pour ouvrir une guerre, parce qu'ils voulaient rouvrir une guerre contre l'Union soviétique de l'époque, c'était Adolf Hitler. Et c'est pour ça que tu as eu toute une succession, tu as eu une vingtaine de grands représentants des banques allemandes qui sont intervenus auprès du chancelier allemand de l'époque pour lui demander de favoriser, de nommer Hitler, Adolf Hitler, comme nouveau chancelier. Alors ça, c'est pour te dire que, si tu veux, ils ont toujours la rancœur de ces guerres perdues.
Parce que même quant à la guerre en 1940-1945, ils essaient de manœuvrer pour faire ce qu'ils appelaient une paix négociée, c'est-à-dire d'essayer d'arriver à une paix avec l'Allemagne en pensant qu'ils allaient pouvoir, en faisant la paix avec l'Allemagne, se partager le territoire de l'Europe, États-Unis, Reich allemand, et après ouvrir un front contre l'Union soviétique. Alors, ça n'a pas marché puisque les Soviétiques ont libéré l'armée rouge et a libéré toute une grande partie du continent au prix de plus de 27 millions de morts quand même. Hein. Ça, il faut le rappeler. Et c'est pour bien, tu verras, j'en parle dans une autre enquête que je suis en train de terminer sur comment les États-Unis ont instrumentalisé la construction européenne. En juin 1944, quand ils débarquent sur les plages de Normandie. Oui, cher Jean-Loup, c'est passionnant parce que c'est quelque chose, effectivement, que je savais, mais que j'ai envie que nos téléspectateurs connaissent aussi comment les Américains, et tu le racontes dans ton livre, je l'avais déjà entendu, je l'ai déjà lu, bien entendu, comment ils ont essayé de avoir la même mise sur l'Europe et notamment la France en faisant un protectorat. Mais peu de gens le savent, ça. Peu de gens le savent, finalement. Bah, ils ont débarqué déjà, ils ont débarqué. Alors, ça remonte à… Il y a eu tous ces atlantistes comme Jean Monnet, par exemple, qui est présenté par la communication de l'Union européenne, qui est présenté comme un père fondateur, qui n'aime pas le régime de Vichy, qui est un grand résistant. Et financé par la fondation Ford, notamment. Pas que, mais notamment. En réalité, Jean Monnet, quand il est aux États-Unis, il va surtout travailler avec deux personnages qui sont des personnages répugnants, qui sont les frères Dulce, John Foster Dulce et Allen Dulce. John Foster deviendra plus tard secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, et Allen sera le premier directeur civil de la CIA quand elle sera fondée à la fin de la guerre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que John Foster Dulce, notamment, soutenait ouvertement en 1935 le parti nazi en Allemagne et qu'il a été un des principaux acteurs de ce qui s'appelle le camouflage des sociétés allemandes, auquel a participé Jean Monnet avec un autre affairiste de New York qui s'appelait George Murnan. Et ils ont tous les deux, ça consistait à remettre, si tu veux, les biens de sociétés allemandes qui se trouvaient aux États-Unis entre les mains d'administrateurs provisoires, dont la plupart du reste, les sièges sociaux étaient implantés dans un pays neutre, la Suède. Un pays qui, soi-disant, n'était pas engagé, mais dont les grands banquiers ont vraiment favorisé le travail de l'économie du Reich allemand avec les États-Unis. Et pendant que tu avais cette guerre affreuse, avec ces dizaines et ces dizaines de millions de morts, je veux dire, tu avais les affaires qui continuaient entre les États-Unis et le Reich allemand par le biais des filiales qui avaient été créées. Alors, tu avais dedans IBM qui avait fourni le système pour gérer les prisonniers dans les camps de concentration. Tu avais Coca-Cola dont la filiale apportait soulagement aux braves soldats du Reich. Mais tu avais aussi Ford, General Motors, ITT qui a apporté à la marine du Reich allemand des moyens de communication modernes pour couler les bateaux qui faisaient la marine marchande, qui naviguaient dans les eaux, dans l'Atlantique, mer du Nord, etc. Et donc, tu as eu tout un tas. C'est au point que quand les soldats états-uniens ont débarqué sur les plages en Normandie, qu'ils ont découvert les camions qui étaient abandonnés, les camions allemands, et quand ils ont soulevé les capots, ils sont aperçus que les moteurs étaient les mêmes que les leurs. Voilà. Alors, ça donne une idée de la coopération qui existait entre Ford, General Motors, notamment General Motors, c'était plus sur le secteur aviation, avec Opel, où ils avaient fourni, ils avaient fait pousser les travaux très loin, puisqu'ils avaient mis au point le premier avion de combat qui est arrivé à plus de 1000 km/h. Ouais. Et là-dessus, c'est intéressant, mais je voudrais aussi qu'on reparle de ça, de l'AMGOT notamment, c'est le gouvernement militaire allié des territoires occupés, avec cette volonté des Américains, je le disais tout à l'heure, et c'est toi qui le dis dans ton livre, un véritable protectorat, c'est-à-dire que si De Gaulle notamment n'avait pas résisté à ça, et quelques autres, aujourd'hui nous serions le 52e ou 53e, peut-être, État états-unien, tel Hawaï ou tel je ne sais quelle autre contrée chaude. C'est terrible en fait d'histoire. Est-ce qui s'est passé à l'époque? Oui,
Vas-y, vas-y, excuse-moi. Non, 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 c'est terrible parce que si on n'a pas cette information-là, la grille de lecture, ce que nous vivons aujourd'hui, peut être faussée, et notamment par l'infiltration des Atlantistes, et on va en parler notamment avec Emmanuel Macron, qui est l'un des meilleurs, hein, finalement, entre guillemets, vous le savez, de ça. Donc c'est pour ça que c'est bien de comprendre ce qui s'est passé avec cette volonté d'imposer la monnaie, une monnaie américaine, imprimée aux États-Unis, frappée de République française. Ça, c'est quand même assez savoureux, cette histoire aussi. Oui, alors, tu verras, j'en parle dans l'autre enquête que je vais sortir, j'espère, au mois d'avril-mai 2024. Il y a des gens qui se sont comportés, qui étaient de véritables agents d'influence de Washington. Il y avait Robert Marjolin, qui était le vice-président de la Communauté économique européenne, qui a participé à des réunions avec le département d'État des États-Unis. Et ce sont eux qui ont décidé ensemble. Les États-Unis ont décidé de créer déjà à l'époque l'union monétaire et ils ont donné comme consigne à Robert Marjolin, surtout n'en parlez pas, créez les conditions pour faire cette union monétaire. On alignera plus tard l'euro ou la monnaie en question, qui s'appelait pas encore l'euro, bien sûr, mais Oui. on alignera, on va faire cette union monétaire et petit à petit on l'alignera sur le dollar. C'était ça qu'il voulait. Et il voulait ça pourquoi? Pour faire de toute la partie le versant occidental de l'Europe et la partie centrale proche de la Russie, il voulait en faire une zone, un protectorat, comme tu l'as dit, hein, il voulait en faire. Et du reste, Jean Monnet, qui est vraiment, passe-moi l'expression, une vraie planche pourrie, qui est présentée par la Commission européenne comme un résistant, etc., etc. D'ailleurs, j'invite nos téléspectateurs à faire le recensement de tous les collèges et lycées qui s'appellent Jean Monnet ou Robert Schuman, hein, dans ce pays. Hein. Tout à Parce qu'il y en fait. a quelques-uns, rien que là où j'habite moi, il y en a quelques-uns dans un périmètre de 30 km, des lycées Jean Monnet ou je ne sais quoi, ou des Robert Schuman, hein, ou Alors, des lycées d'Europe d'ailleurs. Jean Monnet va être envoyé par Roosevelt en Afrique du Nord pour essayer, d'une part, d'écarter de Gaulle, le général de Gaulle, du gouvernement provisoire de la République qui va s'installer à Alger. Alors là, il va échouer. Et ce que voulaient les impérialistes états-uniens, c'était promouvoir Giraud. Giraud, qui a travaillé avec le gouvernement, avec Pétain, qui a travaillé avec Vichy, et voulait essayer de le promouvoir pour en faire un futur président de la République. Et quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont travaillé après avec d'autres. Mais ce Jean Monnet, quand il revient après en France, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à développer avec les dollars de la CIA, au travers d'un tas d'associations, ce qui va s'appeler, du reste, c'est révélateur, les États-Unis d'Europe. Ça donne bien l'idée qu'ils avaient en tête. Et il va même écrire au secrétaire d'État à l'époque des États-Unis en disant il faut détruire De Gaulle. Alors, il y a le journaliste et historien Éric Branca qui Oui, rapporte. très 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 bon journaliste et historien à lire, hein, à lire. Voilà. Après, bien sûr, le livre de Jean-Louis Zambert, bien entendu, mais mettez-vous sur Branca aussi, achetez les deux. Tiens, achetez les livres de Jean-Loup et le livre de Branca, vous allez voir, c'est passionnant sur les États-Unis. Et donc, qui explique bien comment. Et j'ai retrouvé alors, il y a des choses qui sont intéressantes parce que, pour te donner une idée des relations qui existent entre Washington et le gouvernement de Vichy, où il va y avoir un ambassadeur auprès de Vichy qui va s'entretenir régulièrement, soit qui va avoir des réunions de travail régulières avec Pétain, parce qu'à partir de 1941, quand tu as les premières victoires de l'armée rouge contre l'armée allemande, à Rostov-sur-le-Don notamment, là, ils se disent, et ils sont ennuyés parce que tu as le Reich allemand Berlin qui essaie de mettre en place ce qu'ils appellent l'espace économique global européen. Et tu vas avoir, si tu veux, toute une. Ils vont être obligés de procéder de manière à se dire, bon, la guerre telle que nous l'avons voulu aujourd'hui, on va être obligé de faire marche arrière et on va essayer de s'inspirer de cet espace économique global. Qui a été conçu par le Reich allemand pour faire après une organisation supranationale qui en 1992-1993 a pris le nom d'Union européenne. Après être passé, tu as eu la communauté économique du charbon et de l'acier, Oui, tu as eu la c'est clair. communauté économique européenne, le traité de Rome et puis tous les différents traités qui ont suivi, quoi.
Oui, effectivement. Et ça, c'est intéressant. C'est pour ça que là, pour le coup, chers amis, merci d'être si nombreux. N'hésitez pas à partager, bien entendu, à mettre des pouces hein, si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Twitter, retweeter massivement de manière à ce que cette émission, vous le savez, ait le plus d'audience possible et qu'on puisse parler de ces livres dont on ne parle pas dans les médias demain. C'est d'ailleurs, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Mais tout ça a un lien avec ton livre. On est en plein dans ton livre parce qu'on se voit que maintenant, l'Union européenne aussi. Je veux qu'on parle de l'Union européenne et ensuite, on parlera de Macron et des atlantistes. Finalement, cette Union européenne, entre nous, elle a été créée à forte consonance américaine pour essayer finalement d'aller damer le pion. La Russie aussi, elle était un espace économique de pillage économique également, oui. Non, sous influence américaine. Exactement. Du reste, alors on ne peut pas dire qu'elle a été faite par les États-Unis, oui. Mais elle a été conçue par Washington. Et ceux qui ont eu en charge de faire cette Union européenne, c'est ceux que la propagande, on va dire, on va rester courtois, ce sont ceux que la communication de l'Union européenne désigne comme les pères fondateurs. Les pères fondateurs, qu'il s'agisse de Monnet, qu'il s'agisse de Schuman, qu'il s'agisse du Belge Spaakt, de Pinay, sont tous passés par Washington. Ouais. Et tu as après ce réseau d'atlantistes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que tu vas retrouver justement John Foster Dulles, qui lui va avoir en charge de recruter les anciens nazis pour les faire rentrer dans des institutions. C'est notamment à lui que l'on devra, alors il a manœuvré de manière habile, pour arriver à faire réintégrer, notamment dans l'administration allemande, parce que l'intérêt des États-Unis, c'était surtout de contrôler l'Allemagne, et d'arriver à réintégrer tout un tas d'anciens nazis dans l'administration allemande. Et c'est ainsi que sera placé Hallstein, qui était le premier président de la Commission européenne, qui s'appelle la Commission Hallstein, alors dont certains disent « Oh non, il n'a pas été nazi, oh c'était comme tous les Allemands, il était nazi ». Bah oui, mais le problème, c'est que quand tu fouilles un peu dans les archives, tu t'aperçois que non seulement il y a des photos qui le montrent posant avec son uniforme d'officier, tu t'aperçois qu'il est membre de plusieurs organisations des juristes allemands, et puis surtout, ce que pratiquement personne ne dit, c'est que Hallstein a été le concepteur de l'espace juridique du Reich allemand, et il a été envoyé à Rome par Hitler pour justement définir avec les représentants de Mussolini ce que serait cet espace juridique du Reich allemand qui devait rayonner sur toute l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest, France comprise, bien sûr. Oui, alors c'est pour ça qu'on le retrouve après, parce qu'il n'y avait rien de mieux pour les grandes banques et pour les grands financiers qu'un homme qui avait déjà travaillé sur ces questions pour préparer un marché libre, comme ils disent, avec une libre circulation des capitaux. Oui, et c'est là aussi, on peut parler rapidement de l'OTAN, Jean-Loup, aussi, pour faire le lien après vers nos élites françaises qui se sont ralliées à l'atlantisme. L'OTAN également, je rappelle que l'OTAN, il a remis dedans au passage. Hein. Sarko, il nous a fait le traité de Lisbonne et il nous a fait l'OTAN, le traité de Lisbonne et l'OTAN, lui, champion, Sarko. Oui, alors, justement, l'OTAN, c'est après l'échec de la Communauté européenne de défense que tente aujourd'hui de relancer le président français, tu as eu la création de l'OTAN avec la volonté, bien évidemment, de créer, c'est une armée d'occupation, puisque l'OTAN n'est jamais intervenue pour défendre les intérêts français, où que ce soit. Je veux dire, la guerre en Ukraine, ce n'est pas pour défendre les intérêts français. La guerre contre la Fédération d'Yougoslavie, ce n'est pas pour défendre les intérêts français. La guerre contre la Syrie ou contre la Libye, ce n'est pas pour défendre les intérêts français. C'est pour que les sociétés transnationales états-uniennes puissent s'installer dans le chaos et récupérer toutes les richesses de ces pays. C'est ce qu'ils ont fait en Yougoslavie, c'est ce qu'ils ont fait en Libye, c'est ce qu'ils ont fait en Syrie où ils ont installé le sous-commandement militaire qui a en charge de rayonner sur toute l'Afrique, dont le siège est en Allemagne, le siège principal est en Allemagne. C'est ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont tenté de faire en Égypte et c'est ce qu'ils ont tenté de faire en Syrie du reste. Oui, effectivement, c'est ça qui est intéressant, bien entendu, l'OTAN, parce que l'OTAN, c'est peut-être pour ça que le général de Gaulle avait eu quand même la bonne idée, peut-être, de nous en sortir aussi, peut-être. Oui. Voilà, parce qu'il avait compris qu'à un moment donné, ça allait poser un problème et que nous serions toujours à la solde des Américains, parce que c'était ça dont il était question. D'ailleurs, il est toujours question aujourd'hui, quand on voit la guerre en Ukraine, avec l'OTAN. Pourtant, Macron nous avait dit il y a 2-3 ans que l'OTAN était en état de mort cérébrale, et puis monsieur va faire des courbettes et se soumet à Ursula von der Leyen
Et d'ailleurs, on attend toujours les textos, hein, pour le coup, d'Ursula, qu'elle n'a toujours pas communiqué, elle aimerait bien. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant aussi de bien comprendre, pour arriver sur la partie de la France et nos élites, pour bien comprendre ce qui s'est mis en place aussi pendant 60 ans. Oui, alors du reste, il a été mis en place quand tu regardes toutes les décisions d'Emmanuel Macron depuis avant même qu'il soit ministre de l'économie. Oui. Je veux dire, toutes les lois sur lesquelles il a pu influer. Il faut voir c'est Emmanuel Macron, c'est le symbole même du grand écart entre le discours et la réalité. C'est-à-dire qu'il dit, par exemple, comme tu l'expliques, qu'il va, il va pas, que l'OTAN est en état de mort cérébrale, etc. Puis après, gentiment, il va participer à un génocide, parce que ce qui se passe en Ukraine, il faut quand même le rappeler, c'est un génocide. Il y a la loi internationale définit très précisément le génocide, et quand on fait abattre des gens au prétexte qu'ils ne parlent pas la même langue que vous, ça relève du génocide. Il y a quand même, entre 2014 et 2022, il y a 20 000 Ukrainiens qui ont été assassinés par l'armée ukrainienne et les groupes néo-nazis et paramilitaires. Ouais. Les groupes néo-nazis qui ont été incorporés dans l'armée ukrainienne. Du reste, c'est la seule armée en Europe qui ait des groupes néo-nazis à l'intérieur de ses effectifs. Que alors, les médias mainstream ont longtemps nié, hein, Jean-Luc, médias mainstream ont longtemps nié. Il a fallu emmener un reportage sur le nom des avenues à Kiev pour se rendre compte que les mecs avaient quand même des espèces d'hommages aux mecs des Banderas. Enfin, c'était quand même assez stratosphérique comme traitement de l'information. Mais bon, on n'en est plus à ça près maintenant. Oui, ben, ça, on en parlera peut-être de l'Ukraine tout à l'heure. Mais je veux dire, alors si tu veux, toujours derrière ces politiciens dont le parcours est bordé par la grande finance, par des représentants de la grande finance, c'est évidemment que ce n'est pas la famille Rockefeller qui va dire on va mettre Macron là. Hein. Ils ont il y a tous ces réseaux atlantistes qui ont été créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui ont travaillé, alors aujourd'hui ça se passe autrement, mais qui ont travaillé à mettre en place déjà toutes ces organisations sous couvert d'associations culturelles, congrès pour la culture, sous couvert d'un tas de petites associations qui ont travaillé dans le secteur de l'entreprise, dans le secteur de l'éducation, l'université principalement. Donc tout ça, si tu veux, ça c'est une espèce de chaîne qui a contribué à façonner. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, ils se sont heurtés d'une part aux communistes et aux gaullistes, parce que le général de Gaulle avait là-dessus un soutien total du Parti communiste. C'est sur à l'époque, je te parle, hein, c'est sur la question de la défense de la souveraineté française. Et dès que de Gaulle est parti, tout de suite, bon, Pompidou, c'était un passage à vide, je dirais, et après c'est l'arrivée de Giscard d'Estaing qui va tout de suite favoriser l'entrée à l'intérieur de l'appareil d'État d'un tas de personnages qui étaient un peu encore en marge, si tu veux. Alors, il y en avait déjà pas mal qui s'étaient recyclés à l'intérieur de l'appareil d'État à la Libération. Je pense à Jean Monnet, je pense à Pinet, je pense à Schumann, hein, où il y a beaucoup à dire sur la réalité du comportement de ces gens-là pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais après, il y en a eu beaucoup d'autres. Et tu as eu, par exemple, pour l'Union et monétaire, tu avais Jean Monnet et Robert Marjolin dans les années 50. Et puis, les États-Unis savaient très bien qu'ils pouvaient compter par la suite sur Jacques Delors et le premier ministre Balladur, pour favoriser l'union monétaire européenne. Alors, j'aimerais qu'on parle on parle des atlantistes et de 73 avec notre ami Giscard d'Estaing. Comment là ça se passe finalement? Est-ce que c'est à ce moment-là que l'État français ou nos élites se laissent infiltrer par idéologie ou par cupidité, tu vas nous le dire? Sous l'atlantisme finalement, et laisser rentrer les Américains dans la bergerie qui s'appelle France. Ah oui, je dirais que c'est la période où ils vont rentrer massivement dans l'appareil d'État. Avant, tu avais déjà eu des tentatives, puisque les États-Unis étaient prêts à soutenir, y compris l'arrivée au pouvoir de Pinet. Et puis, tu as eu aussi la tentative de favoriser d'autres hommes. Tu as eu le Canouet, Jean Le Canouet, qui était aussi un représentant, ses lobbies.
Alors, si tu veux, mais il leur fallait, il faut vraiment que la grande finance états-unienne, on le voit bien aujourd'hui comment ils procèdent, les fonds d'investissement, les sociétés financières dans des institutions comme l'OMS, par exemple, Oui. il leur faut vraiment des hommes qui soient à leur service. Alors, mais qu'en même temps, ils aient un discours de démocrate, tu vois. Mais Oui, bah derrière oui. ça, ils font passer, bien évidemment, les lois les plus régressives que la République n'a jamais connues depuis Pétain. Oui. Et je ne parlerai même pas on en parlera dans Push la semaine prochaine, et notamment demain matin dans Tocsin, je le dis, je serai demain matin dans la matinale de Tocsin, 7h30, 9h30. On va parler notamment avec Bernard Monneau, venez, de ce qui a été voté à l'Assemblée nationale dans le dos des Français sur la révision des traités européens, qui est en train, ni plus ni moins, de supprimer littéralement la France d'un trait de plume, ou le fédéralisme à grands pas. Et on en parlera demain, parce que ça aussi, finalement, c'est la fin de la bobine, ça. Hein, ce qu'on voit Oui, en tout à France fait. aujourd'hui, hein, c'est la fin de la bobine. Et ce qui se passe est très grave. On devrait être comme le traité de Lisbonne. Oui, le traité de Lisbonne, on devrait être 25 millions dans la rue. Allez, 20 millions dans la rue. Rien que pour ça, on devrait être 20 millions dans la rue, sachant qu'il y avait 163 députés qui ont voté ça. Mais on en parlera demain avec Bernard Monneau, vous verrez. On va continuer notre discussion ce soir. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager, vous le savez. Hein. N'hésitez pas à partager. Merci à ceux qui ont fait des dons sur PayPal. Je le vois passer. Merci beaucoup de nous soutenir. Merci à ceux qui ont fait des dons hier. Merci à ceux qui êtes là ce soir et qui passaient du temps, qui mobilisaient du temps pour écouter l'interview de Jean-Louis Zambert, c'est toujours intéressant. Et ça nous donne espoir, on en parlait avec Jean-Louis hors antenne, ça donne espoir effectivement que des Français, là, se mobilisent et passent du temps sur ces émissions pour essayer de comprendre vraiment ce qui se passe. Et le mieux, c'est d'acheter le livre de Jean-Louis Zambert, Les Destructeurs. Là, on continue là-dessus. Donc, on est, voilà, Giscard d'Estaing, 73, les îles Atlantistes arrivent. Et au fur et à mesure, comment on fait pour en arriver Emmanuel Macron? Et Jean-Louis, est-ce qu'Emmanuel Macron, finalement, c'est l'ogive nucléaire de tout ce qui s'est passé depuis 73. Oh, c'est la continuité d'un processus qui va en empirant, qui va Ouais. en s'aggravant, puisque tu as aujourd'hui des ministères où tu as les principaux dossiers ne sont traités que par des attentistes, c'est-à-dire Ouais. par des gens qui ne prennent en considération que l'intérêt de la maison mère qui est Washington. Alors quand je dis Washington, c'est le pouvoir politique, mais Biden lui-même Oui. n'est qu'une marionnette entre Oui. les mains jouées de la grande finance, hein. Oui. Si celui-là lui convient plus, ils le remplaceront par un autre. Ouais. Bon, c'est vrai que trouver pire, ça va être difficile pour Ah oui, là, à part de trouver plus qu'un cerveau cramé, je vois pas eux. ce qu'on peut trouver, hein. Mais tu as donc ce qui est intéressant, c'est que tu as tous ces gens qui sont à l'intérieur de l'appareil d'État, mais c'est surtout ceux qui sont autour, qui vont participer au conseil, qui sont dans les conseils d'administration de grandes entreprises, qui sont dans des associations présentées sous couvert du dialogue transatlantique entre la France et les États-Unis, qui agissent pour détecter les gens qui peuvent les servir, les faire voyager aux États-Unis. Emmanuel Macron est le président de la République qui a fait le plus de voyages aux États-Unis. Et tu as autour de là ces gens-là aussi qui repèrent surtout, je dirais, les proies intéressantes pour les sociétés transnationales états-uniennes. Ouais. Alors, ça peut être une entreprise comme Alstom, ça peut être le pétrole de l'Irak, ça peut être des réserves du sous-sol comme en République fédérative de Yougoslavie. En Ukraine, c'était les terres qui les intéressaient, en dehors d'implanter une base militaire de l'OTAN dirigée évidemment contre la Fédération de Russie. Et puisque aujourd'hui, ils ont surendetté l'Ukraine et évidemment, ça leur permet de récupérer, à part la privatisation, les secteurs les plus rentables. La situation en Ukraine aujourd'hui est catastrophique. L'économie ukrainienne ne survit plus que par les prêts que font l'Union européenne et les États-Unis. Et c'est ce que tu expliques. Finalement, ils endettent les États. Et ensuite, derrière, finalement, ils privatisent tout, ils récupèrent les dividendes, comme ils ont fait d'ailleurs pour la Grèce, parce que tu en parlais ce matin chez mon ami Corentin Perini sur Ligne Droite, que je vous invite aussi à écouter, en replay après Tocsin et après Putsch, mais voilà, c'est bien aussi d'écouter. Ce qui est intéressant, c'est que la Grèce en 2015, c'était véritablement dingue. D'ailleurs, ils ont privatisé tous les ports, en fait, ça a été une catastrophe, et les Grecs ne s'en relèveront absolument jamais, hormis un traitement de choc qui me paraît déjà très aléatoire, hein, aujourd'hui. Ouais, tout à fait, ouais. Alors, si tu veux, là, tu as tous ces gens-là ont contribué à
j'ai interviewé l'un d'entre eux, et John Perkins. Oui, John Perkins, oui, comment on parle. Alors, John Perkins, c'est un économiste quand même de haut niveau, qui a été recruté en 1971 par un correspondant de la NSA, National Security Agency, et il a été recruté comme économiste pour travailler sur les pays d'Amérique latine. Et lui, John, il y va en disant au départ, bon ben, c'est un peu dépister des marchés. Lui, c'était comme ça qu'il voyait les choses. C'est trouver des marchés qui peuvent intéresser nos sociétés. Donc, il n'y voyait pas à mal. Et très vite, la correspondante qu'il avait était une femme de la NSA. Il lui a dit, non, John, il ne suffit pas seulement de détecter les marchés. Il faut créer les conditions pour qu'on s'approprie ces marchés. Alors là, il a été un peu surpris, puis il a joué le jeu, il a dit « mais comment ça marche ?» etc. Et on lui a expliqué qu'il fallait qu'il provoque le surendettement d'État de manière à pouvoir positionner des entreprises qui allaient faire des prêts à l'État en question, bien évidemment des prêts que l'État devait rembourser, mais l'État était déjà surendetté. On va écouter mon cher ami pour nous rembourser. Privatiser le secteur des transports. Nous, on a une société là. Ah, vous avez au Chili, vous avez. Ah oui, pour les télécommunications, mais on peut privatiser l'entreprise des télécommunications. ITT va vous remettre ça en main, en état. Nous allons moderniser votre économie. Nous allons reconstruire votre économie. C'est leur discours. Et John me dit, alors selon les pays, on les trouve parfois en Afrique. J'en ai vu, moi, au Maroc, ils sont en chemisette, ils vont dans les campagnes sous couvert de missions humanitaires, mais en réalité, ils repèrent le comportement des gens et puis les mines de potasse, à qui ça appartient, famille royale, pas famille royale, un tas de choses comme ça quoi, qui concernent l'agriculture. Et ils font une sorte de recensement. Et tu as après, au sein des sociétés transnationales, des gens qui listent un peu, qui font leurs courses et qui te disent, bah, tiens, là, dans ce pays-là, il faut qu'on arrive à. Il faut que. Pour notre indépendance énergétique, il faut qu'on prenne le pétrole de la Libye ou de l'Irak, par exemple. Alors, tu as après un tas de gens qui rentrent en. Quand la décision est prise par ces états-majors, auxquels des fois participent ces assassins économiques, hein, on les surnomme comme ça, oui. Tu as après tout un jeu qui se fait. D'abord, on essaye la négociation, mais ça ne marche pas. La plupart du temps, ça ne marche pas. Donc, la corruption, ça marche mieux. Mais ils arrivent des fois à des situations où ni la corruption, du chantage en utilisant chantage sexuel, financier, tout ce que tu peux imaginer, quoi. Et c'est ce que me dit Perkins. Du reste, il me dit, mais tu sais, moi, dans les années 75, c'était des actes illégaux. C'était des actes qui étaient amoraux. Mais aujourd'hui, là, avec ce que l'on voit en Ukraine et ailleurs, c'est devenu la norme. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est pratiquement le courant. Et quand ça ne marche pas comme ça, c'est là que l'armée intervient. Ah oui. Alors, mon cher Jean-Louis Ménard, j'aimerais vraiment qu'on se concentre sur notre cher président, notre petit père des peuples à tous, hein, bien entendu, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, concrètement, il a été placé au pouvoir là par ses puissances financières. D'ailleurs, on a vu que lors de la première campagne électorale, il y a plus de 25… alors, mes téléspectateurs vont me fact-checker ça rapidement. Je crois qu'il y avait entre 20 et 25% de dons de campagne qui arrivaient des capitales étrangères et pas qu'européennes. Emmanuel Macron, concrètement, aujourd'hui, il est là. C'est ce que moi, je l'appelle le cost killer. Voilà, vraiment le cost killer qui est là, qui a été mis en place pour aller servir les intérêts des puissances financières. Et on le voit tous les jours. Hein, les exemples sont criants et sont là. C'est absolument, absolument effrayant. Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est quand tu prends tout le parcours d'Emmanuel Macron, avant même qu'il soit ministre de l'économie, qui quitte la Rothschild et qui rentre après comme conseiller du président Hollande à l'Élysée au pôle économique et financier, tu le suis après comme ministre de l'économie, puis après comme président de la République, et que tu regardes toutes les décisions, les grandes décisions qu'il a prises, tu s'aperçois que la plupart de ces décisions vont contre l'intérêt des Français, contre l'intérêt du développement économique du pays, et favorisent toujours des intérêts étrangers, principalement ceux des États-Unis. Le cas le plus criant, c'est l'affaire Alstom. Oui. Je veux dire, là où il a été jusqu'à mentir à la représentation nationale. Je vais t'expliquer pourquoi.
Vas-y, ça, ça nous intéresse. Ça nous intéresse beaucoup, les téléspectateurs, d'ailleurs, qui sont en train… Quand tu es journaliste d'investigation, tu t'as souvent le nez sur le guidon et puis tu es pris par l'actualité, tu cherches à conforter, à trouver les… Puis quand tu prends un peu de recul, tu dis stop, j'arrête, il faut que je reprenne ça pour voir qu'est-ce qui n'a pas été dit dans cette affaire. Et quand tu commences à gratter sur les affaires, à chercher dans les archives, alors il y a les archives d'entreprise qui sont très importantes, il y a les archives de l'Élysée, les archives de Matignon, et puis il y a aussi tout ce qui concerne un peu les déclarations, les communiqués officiels. Et tu t'aperçois les travaux, les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale, par exemple. Oui. Dans l'affaire Alstom, qu'est-ce que tu vois dans l'affaire Alstom? C'est en le novembre 2014 où tu vois Emmanuel Macron donc, qui a fait le forcing pour favoriser la donation d'Alstom à General Electric. General Electric est une entreprise, les médias français ne s'y sont pas intéressés, mais quand ils rachètent, je ne veux pas te dire de bêtises, ouais, en 2016, quand ils ont racheté Alstom, ils sont surendettés de 135 milliards de dollars. Ouais. C'est une entreprise qui a été sauvée dans le passé grâce à l'intervention de l'administration états-unienne, de l'État. Ouais. Alors, quand tu vois ces dirigeants qui arrivent et puis qui disent on va créer une entreprise moderne, on va créer 1000 emplois, etc., Macron reprend ce discours. Et qu'est-ce qu'il dit donc en novembre 2014? Il dit grâce à la, alors je cite à peu près de mémoire, un processus de 6 mois de discussion entre l'État, la direction générale de l'entreprise et les syndicats a permis de réaliser cette opération qui fera demain Alstom un champion français et européen dans le domaine du transport. Ça, c'est en novembre 2014. Et puis, au mois de mars 2015, il est entendu par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'affaire Alstom. Et qu'est-ce qu'il dit alors à ce moment-là? Il dit « Pour moi, c'était difficile de faire autrement. » Alors ça, c'est un vrai mensonge. Parce qu'il pouvait très bien, là, à l'époque, utiliser le décret qui lui permet de… Pardon, excuse-moi. Ouais, pas grave. Le décret qui lui permet de s'opposer à une OPA qui va contre les intérêts français. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Nous sommes trouvés devant une opération qui était totalement ficelée. » Alors, soit, je ne vois pas comment il peut à la fois dire quelques mois auparavant qu'il y a eu un long processus de discussion pendant plus de 6 mois, et dire qu'en même temps, il s'est retrouvé devant un processus… Un truc tout prêt, enfin… complètement ficelé, quoi. Ouais, une opération qui était complètement ficelée, contre laquelle le gouvernement ne pouvait plus rien faire, ce qui est complètement faux. Alors, du reste, enlève-moi d'un doute, Jean-Louis, je parle sous ton contrôle, journaliste d'investigation. À ce moment-là, Macron, il est secrétaire général adjoint de l'Élysée en charge de l'industrie. On est d'accord. Après, il est ministre de l'économie. Au départ. Et d'ailleurs, il ficelle ça, parce que c'est lui qui ficelle ça à le nez à la barbe de Hollande et de Montebourg. Tout à fait. Du reste, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale le soulignera. Je crois que c'est le député LR. Fasquelle, je crois, qui soulignera, qui dira, en gros, hein, je cite, il faut arrêter de nous prendre pour des charlots. Il n'a pas dit ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Vous êtes en train de nous amuser. En réalité, cette affaire, c'est une affaire qui est très grave, qui nuit aux intérêts de la France. Ah oui. Et cette affaire, vous pouviez y faire opposition. Et il y a les députés communistes qui sont intervenus en disant, vous pouviez très bien faire opposition à cette opération. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh bien, non seulement General Electric a menti, et Macron, en reprenant leur discours, a également menti. Il n'y a pas eu 1000 emplois de créés, puisque en réalité, il y a eu 15 000 emplois de supprimés dans tous les sites de General Electric qui se trouvent au sein de l'Union européenne. Et en France, l'emploi chez Alstom a pratiquement été divisé par deux, entre le moment où Alstom a été pris par General Electric et 2022-2023. Donc, ce qui veut dire que… Alors, je ne parle même pas, là, je ne prends même pas en compte l'aspect du fait que Alstom, c'est quand même… Macron a vraiment pris les députés pour ce qu'ils ne sont pas. Parce que… Enfin, j'espère, pour certains d'entre eux, quand même, parce que dire qu'il s'est retrouvé devant un projet complètement ficelé,
quand on sait qu'Alstom est une entreprise qui est engagée sur des marchés importants à l'international, qui travaille avec la défense française, je pense aux sous-marins, qui intervient dans d'autres domaines comme le nucléaire, les transports aussi. Je veux dire, une direction générale d'entreprise, elle ne décide pas comme ça du jour au lendemain de faire une OPA avec une société qui est aux États-Unis, qui est au bord de la faillite pratiquement. Ouais. Oui. Et cette affaire, finalement, Macron, ça n'y a pas trop coûté pour l'instant. Ça n'y a pas trop coûté. Pourtant, est-ce qu'on peut, selon toi, est-ce qu'on peut parler d'un scandale d'État aujourd'hui ? Enfin, un scandale d'État de Alstom. Ah oui, mais pour moi, l'affaire Alstom n'est pas terminée. De même que l'affaire de la privatisation de l'administration française et la campagne, il ne faut pas oublier la campagne de vaccination, n'est pas terminée non plus. Ce n'est pas parce qu'ils essayent de créer des... Alors, c'est le pouvoir politicien plutôt. Oui. Politique, c'est celui qui s'occupe de l'intérêt général. Eux, ils ont plutôt le souci d'intérêts très particuliers. Et là, tu as, avec cette campagne sur la COVID-19, où le président de la République s'est engagé personnellement, où ses premiers ministres se sont également engagés avec les ministres de la Santé. Et bon, je ne sais pas si tu as eu le temps de le lire, mais tu as pu voir que dans tous vaccinés, tous en danger, non seulement je fournis les preuves scientifiques grâce au directeur de recherche du CNRS qui a travaillé sur ces questions avec les chercheurs de Wuhan et où il explique pourquoi ces vaccins sont dangereux, comment ils sont dangereux, quelles sont les conséquences pour la population, mais où je montre aussi comment l'enquête sur le seul médicament qui permettait vraiment de soigner de la COVID-19 a été falsifiée au sein de l'OMS. Et comment ça a permis, parce qu'elle a été falsifiée, mais c'est passé vraiment en limite. Il fallait absolument que cette étude scientifique ne paraisse pas pour permettre de balancer sur le marché des vaccins. Alors, quand je parle de criminalité financière concernant McKinsey et Pfizer, je vais quand même rappeler, parce qu'on en parle un peu plusieurs fois dans les médias, mais pas beaucoup. Pfizer, depuis 2020, de 2020 à 2023, Pfizer a payé pour près de 11 milliards de pénalités. Et quand c'est incroyable. Je parle de pour des délits, pour des délits qui sont liés à la commercialisation de médicaments. Alors ça, c'est grave, hein, parce que dedans, tu as des affaires de pot de vin, tu as des affaires de corruption, tu as des affaires qui touchent des médicaments qui se sont révélés dangereux. Et McKinsey, le chiffre est un peu plus bas pour McKinsey, mais du point de vue des pénalités qu'ils ont dû payer pour éviter des procès publics qui sont très mauvais pour leur image de marque, mais tu les retrouves, tu as vu, j'ai listé dans le livre tout un tas d'affaires en Afrique du Sud, en Suisse même contre la compagnie Swissair, en Belgique, donc tu as tout un tas d'affaires qui s'enchaînent les unes derrière les autres et qui sont des affaires graves quand même. Je pense notamment aux États-Unis où ils ont été obligés, je vais te relire le passage pour ne pas faire de bêtises, c'est page 158. Je donne toute une succession de délits qui ont été faits par McKinsey entre les pages 157 et les pages 164-165, mais tu as notamment en février 2021, plus de 500 000 morts, 4 000 actions en justice, près de 600 millions de dollars de réparation qu'ils ont été obligés de payer. Ils signent avec une cinquantaine de procureurs, les représentants de McKinsey signent avec une cinquantaine de procureurs généraux d'État des États-Unis un accord de réparation portant sur 573,9 millions de dollars US, 505 millions d'euros. Ils auraient reproché d'avoir conseillé à des pharma d'intensifier leur campagne pour augmenter les ventes d'un médicament dangereux, l'oxycontin, produit par la société Purdue Pharma. Ouais. C'est ce que, à la Commission européenne, on appelle un partenaire, comme Pfizer, qu'on appelle des partenaires de référence. Voilà. De référence. Non, mais c'est dingue. Enfin, nous, en tant que citoyens lambda, tu veux faire construire ta baraque ou réparer ta voiture, et si le garagiste ou l'entrepreneur, le mec, il est quand même traîné 14 fois au tribunal, tu te dis à un moment donné que peut-être tu vas pas faire appel à lui, mais peut-être à son voisin, le mec juste d'en face, tu sais, le mec qui a juste un casier vierge. Et là, non, ces gens, nous avec ce qu'on sait, et tu fais bien de le noter et d'argumenter,
Non, non, ces gens nous disent qu'il n'y avait pas de problème et un partenaire de référence. C'est ça, c'est Ursula von der Leyen, je crois, qui avait dit ça au nom de la Commission européenne, hein, sur ces gens-là. Hein. Ouais. Mais c'est très grave parce que il y a l'aspect des personnes qui sont décédées avec ces vaccins Covid-19, ces pseudo-vaccins, mais il y a les personnes qui sont handicapées à vie, et c'est la première fois dans l'histoire de la vaccination que tu as les centres de pharmacovigilance enregistrent autant d'effets secondaires graves, notamment en France, c'est plus de 25% des effets secondaires qui sont recensés, parce qu'il y en a plus que ça en réalité, mais tu as tout l'aspect économique de cette affaire. C'est-à-dire que le président Macron et ses gouvernements ont surendetté l'État, ont mis la sécurité sociale encore plus en difficulté, et je ne parle pas là des entreprises qui ont dû fermer, des PME, de la répression qui a été, les forces de l'ordre ont été envoyées contre des gens qui mangeaient tranquillement sur les plages, parce que, rappelle-toi, à l'époque, et les infirmières qui ont été renvoyées du jour au lendemain, ou des militaires ou des gendarmes parce qu'ils refusaient de se faire injecter un produit sur lequel ils avaient un doute et dont il s'avère 2 ans après qu'ils avaient raison. Alors qu'ils auraient pu très bien à l'époque, s'il y avait vraiment eu un danger avec ce virus, un grand danger, comme c'était écrit dans les médias pendant 3 ans, ils pouvaient très bien utiliser l'ivermectine. Alors c'est vrai que l'ivermectine, elle a un défaut, elle ne rapporte pas assez au laboratoire. Non, tu vois, il faut choisir entre le profit ou la santé. Et elle ne rapporte pas assez au laboratoire privé, puisqu'elle est dans le domaine public maintenant et elle est utilisée. Et alors, en plus, il y a un autre aspect que je souligne dans Tous en danger, tous vaccinés, c'est qu'il y a un centre qui a été créé aux États-Unis par des scientifiques qui recense toutes les études qui ont été faites au niveau mondial sur l'ivermectine. Et qui a été créé aux États-Unis, mais depuis, tu as des chercheurs britanniques, tu as des chercheurs russes, chinois, indiens, japonais qui ont apporté toutes les études qui ont été faites dans leur pays. Et aujourd'hui, il y a plus d'une centaine d'études qui ont été faites, alors j'ai plus le nombre exact de chercheurs, avec 130 000 patients, plus de 130 000 patients de 28 pays quand même. Alors c'est quand même, et puis tu as des pays, il y a près d'une quarantaine de pays ou de régions qui ont utilisé l'ivermectine et qui ont éradiqué la maladie. Et pourquoi on n'en parle pas en France, ça? Tu verras dans le livre, si tu as le temps de le lire, je montre comment l'AFP j'engage tous nos téléspectateurs ce soir à l'acheter. La maison édition, Jean-Loup, tu nous la rappelles, s'il te plaît, pour nos téléspectateurs. IS Édition, on va vous mettre des références en bas de la vidéo pour ceux qui regarderont la vidéo en replay. Mais voilà, c'est IS Édition. Vous tapez Jean-Louis Isambert, toute vaccinée sous un danger, vous ne devriez pas avoir de mal à le trouver. Mais finissons là-dessus, Jean-Loup, parce que c'est intéressant, comme ça on parle aussi de ce livre-là. Voilà. Oui, écoute, je te remercie, mais c'était pour dire, si tu veux, que l'AFP a publié plusieurs dépêches. Alors, je donne dans le livre les dates, les titres, le contenu de ces dépêches et puis les sources qu'elle a utilisées. Et à chaque fois, c'était sur le thème, j'en cite 3, à des périodes différentes, parce que dans le même temps, le nombre d'études qui montraient que l'ivermectine était efficace sur et pouvait être utilisée même de manière préventive n'a cessé d'augmenter. Mais malgré ça, l'AFP continuait sur le thème antiparasitaire, rien ne prouve qu'elle soit efficace contre la maladie Covid-19, tu vois. Alors, c'est particulièrement grave quand tu travailles dans une agence comme l'AFP, parce que si tu commences pas à chercher ce qui existe au moins sur le médicament que tu critiques, c'est grave. Mais là, quand tu prends les sources, c'est quoi? Alors, c'est l'OMS, c'est l'Agence européenne des médicaments, et c'est le ministère de la Santé, les déclarations du ministre de la Santé, etc. C'est pas sérieux, ça. Ouais, mais je voudrais qu'on finisse là-dessus, Jean-Louis. Et merci d'être là ce soir et merci à vous. Hein. Vous êtes nombreux ce soir, plus de 1000 sur l'ensemble de nos réseaux. Merci beaucoup, beaucoup de commentaires et j'espère aussi pas mal de ventes. Je sais que la situation économique est compliquée et que les livres, c'est pas la première chose qu'on achète et j'en ai conscience, mais si vous pouvez, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, tiens, cadeau pour Noël, si vous n'avez pas d'idée, le cadeau pour Noël, Jean-Louis Isambert ou Claude Janvier, vous n'hésitez pas à aller piocher dans ces bouquins-là sous le sapin pour, vous savez, pour votre oncle réfractaire ou vos parents qui ont peut-être pas cru au Covid. Et qui commence à se poser des questions. Voilà. Si on l'a sorti de la cuisine, hein. Oui, si on les a sortis de la cuisine. Vous pouvez leur dire qu'ils enlèvent le vin de la bûche. Mémé, elle va manger la bûche dans la cuisine.
C'est odieux quand tu vois ça. Ouais. Alors j'espère qu'il y a des Français qui ne vont pas le faire cette année, parce que j'espère qu'ils ont compris l'escroquerie tout de même. Et ceux, bon, à mon avis, et ceux aussi qui mettent les masques dans leur bagnole, n'hésitez pas à leur offrir Jean-Louis Zambert, tous vaccinés, tous en danger, et bien sûr, le pendant, Erion Code, les apprentis sorciers. Avec ces deux bouquins-là, je pense que vous devriez faire des heureux sous le sapin le 24 au soir ou le 25 à midi. Donc, je voulais qu'on parle de ça pour terminer. On parle bien sûr de ces sociétés transnationales dont tu parles, sur lesquelles tu as enquêté, on en a beaucoup parlé ce soir. Finalement, sur le sujet du Covid, on a Pfizer, on a McKinsey, le McKinsey Gate. Mais moi, je pensais que ça allait faire… Moi, franchement, à un moment donné, je me suis dit ça va faire exploser Macron pour son second mandat. C'était quelques semaines avant la présidentielle, hein, le McKinsey Gate. Et je pensais que ça allait vraiment le dynamiter, cette histoire. Mais non, il est resté. Mais non. Non. Oui, mais il est resté avec de moins en moins de votants. Et puis, en même temps, il faut dire que quand tu regardes ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est un peu affligeant, je trouve. Hein. Oui, n'as plus vraiment d'opposition réelle, quoi. Ah non, mais il n'y a plus vraiment de députés, en fait. C'est juste qu'il n'y a plus de députés du tout. Hein. Alors, en plus de ça, on avait fait une enquête avec Claude Janvier là-dessus. On avait étudié les votes, la participation des députés à l'Assemblée nationale. Ouais. Excuse-moi. La participation des députés à l'Assemblée nationale. Je préfère en rire parce que sur les principaux votes de 2020 à 2022, et on a publié les résultats dans Covid-19, le bilan en 40 questions. Et alors, c'était un gros travail de recherche parce qu'il a fallu voir le nombre de députés présents, le nombre de. Mais les principaux votes sont passés avec des minorités de députés. Oui. Tu avais, par exemple, quand tu avais 200 députés qui étaient présents dans la salle sur des questions qui concernent quand même tous les Français, sur 577 députés, mais ce jour-là, tu avais du monde, tu vois. Ah oui. Je veux dire, c'est complètement fou, quoi. Et là, je vais reprendre, j'ai le sous les yeux. Je vais reprendre ce qui a été voté hier soir. Je le répète parce que ça, par exemple, hier soir, ils ont voté la proposition de résolution européenne. Finalement, c'est pour enlever à la France ce qui lui reste de souveraineté. Je crois qu'ils étaient 163 à voter. Mais où étaient les 360 autres? Ils étaient où? À la piscine, au bridge? Enfin, on vote des trucs qui sont extrêmement importants, qui n'ont bénéficié d'aucun débat médiatique. Hein. Les Français, on n'en a pas du tout parlé. Et les mecs ne viennent pas. Ils sont 350. Et pourtant, à la fin, là, ce soir ou demain, ils récupéreront leur indemnité. Je suis désolé d'être un peu populiste. Ah bah oui, c'est la réalité. Je suis désolé, ils étaient où hier soir, les gens, hein. 7500 euros par mois, quand même. Hein. Ouais. Et ça laisse un peu de liquide. Ça laisse un peu de liquide pour faire les courses pour Noël. Ah ben, on est bien d'accord, mais ça, c'est quand même dingue. C'est une véritable trahison politique ce qui s'est passé. Et il n'y avait même pas, il y avait un gros tiers des députés pour voter cette ignominie, cette ignoble résolution hier soir. Donc moi, à un moment donné, moi je veux bien, mais il faut quand même que les citoyens aillent demander des comptes pacifiquement, soit par courrier, soit par demander un rendez-vous, pour simplement demander à leurs députés où vous étiez. Où vous étiez, parce que ça, ils peuvent pas s'exonérer de voter un truc comme ça. Parce que tu sais, je pense qu'aussi, il y a quelque chose, je finis par là, cher Jean-Loup, il y a quelque chose aussi qui tient de… Ces gens sont des trouillards. Ils préfèrent ne pas y aller que voter. Vraiment. Ah oui, bah… On l'a vu avec le cas de quand le gouvernement a demandé aux députés de lui donner de donner au président de la République la possibilité de signer l'élargissement de l'OTAN à la Suède et à la Finlande. Alors c'était intéressant parce que ce jour-là, par exemple, tu avais les seuls qui ont voté contre, c'est les députés communistes et de France Insoumise, je crois, avec quelques députés les Républicains et tous les autres, évidemment, ont voté pour. Et alors, le Rassemblement national qui, faut se rappeler des discours, sortir de l'OTAN, etc., c'est fini, ça. Alors, le Rassemblement national, c'était pour donner une image sur ce que tu dis. Ils étaient absents ou ils se sont abstenus parce qu'ils n'ont pas d'avis. Quand il s'agit de… Alors, ça, c'est vraiment… Mais ça a été dit comme ça. Quand il s'agit de porter un coup d'arrêt à la machine de guerre qui est mise en place par les États-Unis en Europe, ils n'ont pas d'avis. Ouais, ils n'ont pas d'avis, ils sont absents ou ils s'abstiennent.
Ouais. Alors, Non, on est loin de... Alors, mais bon, ça n'a rien d'étonnant puisque Jordan Bardella, le dirigeant du Front National, a lui-même déclaré que l'heure n'était plus à la sortie de l'euro. Ah, mais Donc, oui. Non, mais donc, ils sont en train de se faire une petite mélanite aiguë. Le RN, je ne sais pas si l'ivermectine peut marcher sur ce genre de pathologie, mais il y a quand même une mélanite aiguë qui les prend, qui dure, hein, qui dure. Et j'ai l'impression que leur état de santé intellectuelle est en train de se dégrader à vue d'œil à Bardella et à Le Pen. Hein, mais bon, peut-être ils sont atteints grave. Hein. Oui. Mais ouais. Si tu veux, il faut faire savoir ça, parce qu'ils trompent les gens. Non seulement sur la question de la sortie de l'Union européenne, mais sur la question de la souveraineté. Je veux dire, tu ne peux pas être absent le jour où il faut s'opposer à l'élargissement de l'OTAN et puis dire que tu es pour la souveraineté de la France. Tu ne peux pas dire que tu es pour la souveraineté de la France et déclarer, comme l'a fait le dirigeant national, que l'heure n'était plus à la sortie de l'euro. Hein. Donc, c'est voilà quoi. En gros, c'est le programme Macron avec il rajoute une petite touche anti-immigration parce que par les temps qui courent, ça permet de faire les fonds de tiroir un peu. Anti-immigration et inflation, et basta, c'est bon. Et voilà. Et Bardella te dit que les prochaines européennes en juin prochain seront le meilleur moyen aussi de destituer de façon, on va dire, symbolique, politiquement, Macron pour 2027, tout en ne votant pas, notamment n'étant pas l'initiative de l'article 68. Ces gens sont des fanfarons, fanfarons. Voilà, je suis désolé de le dire, mais c'est ça. C'est pareil pour la LFI, hein, c'est à peu près la même chose. Ah ouais, c'est un véritable cirque. C'est un cirque Zapata, cette Assemblée nationale. Mais ce que tu as dit, c'est très important, parce que quand tu vois l'absence des députés. Alors, en plus, cette absence sur des questions essentielles, quoi, tu vois, importantes. Oui. Alors, le pendant de ça, c'est que moi, ce que je constate aussi, c'est que les gens te disent, quand tu vas dans les circonscriptions, « Oh, ben, le député, n'importe comment, on le téléphone, on lui écrit, il ne répond jamais, on ne peut pas l'avoir, etc. etc. » quoi. Tu vois, c'est ce que me disent nos amis ce soir dans le live. Ils me disent « On écrit, on n'a jamais de réponse. » Voilà, y a alors, moi, ce que je disais aux gens, je disais « Mais prenez le livre « Tous vaccinés, tous en danger » et allez, mettez-vous dans un quartier ou groupez-vous avec les gens avec lesquels vous en discutez et demandez d'être au-dessus pour vos députés. Et puis là, mon pote, il faut que tu t'expliques. T'as voté. Alors, on ne peut pas lui dire qu'il a voté pour le plan de vaccination, puisque le plan de vaccination, il a été décidé à Bruxelles sans débat, sans débat parlementaire, en un mois, par la Commission européenne, qui a fait passer ça en procédure accélérée. Mais il faut lui dire, sur les vaccins, sur la COVID-19, il faut que tu t'expliques qu'est-ce que tu as voté. Alors, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui étaient présents dans l'Assemblée. Attends, si ces gens-là ne sont pas là pour représenter les députés de leur circonscription, n'importe comment, rien ne les oblige dans le cadre du mandat représentatif, ce n'est pas comme le mandat impératif, mais rien ne les oblige à rendre compte de leur activité. Alors, le truc facile, c'est de dire « Oh, je rends compte de mes interventions sur Internet, allez sur le site Internet, etc. » Après, c'est une question d'honnêteté et de dignité par rapport à ses administrés et par rapport à l'effondrement total de la France. D'ailleurs, je noterai aussi que les députés, tu as raison sur la vaccination, parce que ça a été décidé à Bruxelles, comme le plan de relance, mais il faudra quand même noter que ces députés, collectivement, je parle collectivement, notamment pour l'opposition, qui était quand même non négligeable. Par exemple, quand Macron a décidé tout dans le PC Jupiter, sans rien demander, classer secret des phases pendant 50 piges, personne, à un moment donné, n'a levé le petit doigt, ils sont tous rentrés chez eux en circo, et personne n'a voulu faire un blocage constitutionnel qu'il aurait pu mettre en place aussi, de refuser de siéger et vraiment bloquer l'institution pour ne plus avoir ça, parce qu'on n'aurait pas dû accepter en tant que député que Macron et Nemo et Brigitte se foutent dans le PC Jupiter pour décider de on ne sait pas quoi, tout ça étant classé secret défense pendant au moins 50 ans. Rien que là, ils n'auraient pas dû l'accepter. À mon avis, ça c'est mon avis. Voilà. Non, mais tout à fait. Ouais. Cher Jean-Loup, ça y est, on a exposé le temps. En tout cas, je te remercie d'être venu ce soir. Il faut acheter, bien entendu. Regardez, voilà, je t'ai reçu pour Les Destructeurs. US Imperium, la fin, un nouveau monde émerge chez Jean-Chéry Godefroy. Et ensuite, celui-ci, Jean-Louis Zambert, toujours du même auteur. Tous vaccinés, tous en danger. Vaccins ARN et corruption, les vérités sur la crise sanitaire. Et ça, c'est chez IS Édition. On vous a mis les références dans le live. Je te remercie, cher Jean-Loup, d'être venu ce soir pour ce grand entretien. C'était passionnant. C'est moi qui te remercie de cette invitation. Bon, j'espère que ce sera une nouvelle fois qu'on en a parlé en début d'émission, que ce sera que le début. Ensuite, tu iras sur les grands plateaux nationaux.
Et on aura le plaisir de te regarder le soir au JT d'Anne-Claire Coudray sur TF1, puisque Éric Ciotti y va et que Dupond-Moretti y va, il n'y a pas de raison qu'ils n'y aillent pas. Voilà, merci beaucoup. Bon, trêve de plaisanterie, je te souhaite une excellente soirée. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Vous étiez nombreux ce soir et merci. Et on se retrouve dès lundi prochain sur Pooch Live YouTube. Mais dès maintenant, vous pouvez retrouver sur pooch.media. N'hésitez pas. Merci à ceux qui ont fait des dons ce soir et à ceux qui s'abonnent à pooch.media. C'est très important. On a vraiment besoin de vous. Et n'hésitez pas à partager toutes nos émissions sur l'ensemble de vos réseaux pour qu'on fasse monter les vidéos. Parce que vous savez qu'on est, on me l'a dit dans le chat ce soir, effectivement, il y a le compte de YouTube a été bloqué pendant un petit moment. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Allez. Trêve de plaisanterie, je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye, Villa Démocratie. Salut, bye, bonne soirée à vous. Ciao.